Bonjour à tous, c'est Mamal Pro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, c'est la vidéo numéro 11 sur Clash Royale. Donc je n'ai rien fait, ne vous inquiétez pas. Donc s'il y a des archers, j'ai 4000, on va se faire plaisir. Tac, au niveau 6, coffre en argent. Je crois que les garouilles, on peut les améliorer. Ah non. Si on les a là, on pourra les améliorer. On a débloqué les barbares. Nickel. Ah non, 4 arches. On a débloqué les barbares. Ok, non. Et les barbares. Super. On va ouvrir la coffre de clan. Sinon, vous savez qu'on n'aura rien. Ah, c'est une épique! Ouais, bah, en fait, j'aurais préféré débloquer. Bah, l'arc X. Enfin, toutes les épiques que j'ai pas. Voilà. Mais à chaque fois, faut être niveau 8 en XP. C'est pénible. Dis-moi pas qu'il y a encore l'armée squelette. C'est tout le temps ça. Bon, on va ouvrir le coffre et on va se faire un combat. Hop. En 2C2. Comme ça, on va... Ouais, allez. En 2C2. Joaquin, il s'appelle. Il s'appelle Joaquin, le collègue. On a pris une tour, deux tours. Tac, on balance le mini PK, il balance l'armée squelette, les prends, je mets chevalier, allez, ça a bugué. Normalement c'est bon, on a gagné. Perfect. Quoi? On n'a pas gagné? Vas-y boule de feu, c'est bon. Voilà, on a gagné. Ils nous ont même pas... Je trouve qu'il est... Oh, c'est Manuel plus Bob Marley. C'était ça. Pourquoi je n'ai pas fait ce coffre? La question est simple, je savais pas que j'allais l'avoir. Ouh, on a la reine 12. Mama est vénère. Et notre collègue, c'est... Je sais pas bien. Ça me semble possible d'ailleurs. Tac. Sauf qu'il a peut-être pas prévu que j'allais mettre les gargouilles. Hop. On balance la sauce, hein. On met tout de ce côté. Oh non, il nous a pris une tour, c'est obligé, trop tard. Ah non, c'est bon. Ah, c'est vrai, quelques dégâts, c'est mieux que rien. Allez. Là, il faut qu'ils nous prennent aucune tour. Donc, on va mettre quelque chose pour défendre. Oui! Oh là là, on est mal. Cool, on a pris deux tours. C'est pas mal. Mais fallait pas mettre les gargouilles. Bon.
il a deux Valkyries, ça va être impossible à contrôler. Et en plus, il nous a pris les deux tours. Oh, c'est pas possible. Je crois qu'on est un peu mort. On avait bien dominé au début, mais... Non. On a gagné. Enfin, on a perdu. Super. On s'est fait... Bon, faut qu'on gagne 3 couronnes. Donc avant Travi, on va faire un petit combat. J'espère que je vais pas perdre. Ouais. Allez. Ah. Super. Vous croyez que j'allais mettre l'armée squelette? Eh ben non. C'était juste pour débloquer le feu à double. Oh, mais il double le feu à double chacun. Oh non, mon mini Pika, il va pas mourir! Je suis heureux. Il est pas mort. Hop! Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, on va réussir. Je vais juste mettre les gargouilles. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Pas de problème. Voilà. C'est ce que. Ouais, c'est surtout que je redoutais ma tour. Ma tour, je savais qu'elle allait mourir. Super. On va mettre un petit feu à gobelin, je le vois bien. Oh, pile quand il met le dragon, je le mets en plus. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai jamais gagné. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire combat en séance. Et 48, ça fait combien? 65, c'est bon. Ah, d'accord. Ça, c'est le truc qui est mal barré, quoi. Quand je suis mort, je suis mort. Je suis clairement mort. Et ça sert à rien de mettre mes archers, vu que le prince va tout déglinguer. On a une tour chacun. Est-ce qu'on garde la défense? Allez. Tac. On met tout. Je m'en fiche. On met même feu à gobelin ici. Qu'est-ce que ça va te faire? Je mets une pika ici, comme ça déclenche la tour de roi ici, comme ça on est tranquille. Paf. D'un coup, on met 23. Oh non, il est mort sur vite. Allez, finissez-le là. Faut pas qu'il gagne. Oh là, parfait. Ah si, oh non, j'allais prendre la tour. Faut pas qu'il arrive jusqu'à la tour. Je m'en fiche, j'ai mon chevalier, faut pas qu'il arrive jusqu'à la tour. Oh, vous avez vu les archers? Oh non. Égalité. Là, c'est un peu con. Pour moi, ma tour a plus de PV que la sienne, donc c'est bon. C'est aussi un con, celle-là.
Ah, je crois qu'on a une quête déterminée. Cool. Qu'est-ce que c'est? Non, je m'en occupe plus. Flèche 14. D'accord. Et on va ouvrir le coffre en or. Une horreur. Des boules de feu. Ok, est-ce qu'on peut améliorer? Oh, coffre super magique! On va essayer de passer en arène 4. Comme ça, on aura peut-être une légendaire. Et ce sera pas d'arène 3, ce sera d'arène 4. Vous savez quoi? On va tout faire pour passer en arène 4. Mais avant ça, un petit combat de... Oh, j'espère que... Ouais, allez. Allez. Bon bah je crois qu'en fait on est mort direct. Il a même mis la boule. Tu perds le combat, tu perds direct. Vraiment intéressant. Oh ça m'énerve. On a dirait bon je peux plus faire le combat parce qu'après il y aura plus assez de temps. Quoi que allez. Faut juste que ça se dépêche. Sinon après sinon. Ok c'est bon. On peut. Ok, c'est bon. Oh, j'espère qu'on va vite gagner. Regardez, il a deux ballons, mais vous inquiétez pas. Si tout se passe bien, on devrait gagner si tout se passe bien, comme je le dis. Et on a le coffre à couronne. Et c'est la fête. On va plus faire de combat. Et c'est parti. Oula, on a une épique. Attention, attention. Oui, on a débloqué le ballon. Trop content. Il est là, il est présent. Donc il nous manque quoi comme carte? Le sort de foudre, la cabane à barbare, la roquette, c'est une rare. Ouais, donc c'est bon. Il nous manque 3 épiques. Donc le sort de foudre, l'arc X et le sort de rage. On est bien. Vous allez voir, j'ai essayé d'aller en arène 4, comme ça on aura direct une légendaire. S'il y en a dans le coffre super magique. Allez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mamal Pro. À très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Peace!